Et ça, et ça, ça a mal commencé. Et salut, c'est Egon, et, et je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui. Alors, ça fait deux, deux jours que j'ai pas posté de vidéo, du coup, il faut absolument que j'arrive à poster celle-ci aujourd'hui. Mais le truc, c'est que, enfin euh, voilà, j'ai énormément bossé ces derniers jours, enfin, pas énormément en termes de temps, mais en termes d'efficacité, ça a été un truc de malade. Et euh, j'ai enfin réalisé un projet que j'avais depuis tellement de temps et que j'arrêtais pas 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 de repos si j'ai fait que repousser ce truc, c'est le pire truc de toute ma vie. Tu sais sans doute de quoi je parle si tu me suis un petit peu sur la chaîne et aujourd'hui, c'est enfin fini, tout est dans la boîte, tout est prêt à tout est prêt à, à être lancé, tu vois et moi c'est c'est enfin je sais pas comment te dire, c'est plus, qu plus que le truc lui-même, tu vois. Pour moi, c'est tellement un, un accomplissement tu sais ce moment où tu fais un truc que tu as remis tellement à plus tard pendant si longtemps et que enfin tu l'as fait et tu te dis putain, c'était pas si compliqué et en fait j'en étais capable et en fait tout était dans la tête et enfin aujourd'hui je comprends vraiment je comprends vraiment que tout est dans la tête. Tu sais on pense souvent que je sais pas si tu as des projets que tu cherches à réaliser que, que ça peut même être un projet de voyage, ça peut même être un projet de postuler à une école ou décrocher ce job, tu vois qui te plaît tant ou qui te donne tant envie. Et euh, on se dit tellement souvent que les difficultés que sont, sont vraiment externes, tu vois, et que que t'as pas si, que t'as pas ça, ou qui te manque si, et qui te manque ça, et que, que t'as juste pas ce qu'il faut pour réussir, tu vois. Et, euh, et c'est un truc de ouf parce que au final, c'est le plus perturbant, c'est que T'as tellement de gens qui font des, des vidéos à ce sujet-là. T'as tellement de gens qui te disent, euh, qui t'expliquent en fait comment réussir tes projets ou n'importe quel rêve que t'as en tête, tu vois. Et qu'en fait, à chaque fois, on entend ça. À chaque fois, on entend que c'est dans la tête et que machin. Mais je, on sait pas pourquoi, tu vois. À chaque quand quelqu'un nous dit ça, ça veut pas rentrer. Et en fait, c'est normal. C'est comme si en fait tu mettais, c'est comme si t'avais deux personnes, tu vois, dans une pièce donc t'as un mec là et un mec là le mec là c'est le gars qui a réussi à accomplir le truc et le mec là c'est le gars qui, qui essaye d'y aller tu vois et le gars qui est à droite il dit à l'autre mais putain vas-y t'as exactement as tout ce qu'il faut tous tes doutes et tout ce qui t'empêche d'avancer c'est dans ta tête seulement et tout et le gars à droite il, il écoute il a envie de se dire que ouais mais le truc c'est qu'au milieu il y a une grande plaque de verre tu vois qui fait que qui fait que ce que ce que le mec de droite dit à l'autre gars de gauche tu vois bah, c'est complètement c'est complètement euh, assourdi c'est on n'entend on plus trop on, on, on ne comprend plus trop ce qu'il dit, on n'arrive pas à le concevoir et ça passe pas quoi. Et aujourd'hui j'aimerais te donner une astuce que, que, que pour tout te dire ma mère m'a donnée, ça va être une vidéo hyper hyper courte tu vois. Mais du coup on a, on, a bien vu que, on a bien vu que tous ces problèmes-là c'est dans la tête tu vois, je sais pas si c'était si un projet en ce moment. Un truc que tu veux réaliser depuis longtemps, mais c'est un truc de ouf à quel point c'est dans la tête. C'est un truc de ouf, tu vois, vraiment, genre, est, tu, tu, tout est là-dedans, quoi. C est, et, et bien sûr, nous, on, on, on essaie de se convaincre que, que c'est pas le cas, et, et, et c'est marrant comment le cerveau a tous les moyens et, et, et développe des moyens absolument incroyables pour éviter la peur au final, parce que c'est ça qui se passe dans ta tête, tu vois. C'est pas le fait que ton cerveau ou que toi, t'as pas envie de. Que, que, ton corps veut pas que tu réussisses, tu vois, ou veut pas que tu réalises tes projets. C'est que ton corps et ton cerveau ont peur que tu te fasses du mal en te, en te lançant dans des trucs un petit peu inconnus. C'est ça ce qui se passe réellement, tu vois. Et aujourd'hui, je voudrais te donner la technique du rien à foutre que, que ma mère m'a donnée. Franchement, enfin, euh, vraiment, ça vient d'elle. Et il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus parce que. Si tu veux, la technique du rien à foutre, c'est quoi C'est que tu as un bouquin qui a été écrit par un, un gars qui s'appelle Mark Manson, que j'ai pas encore lu, mais que je vais, je vais vraiment acheter euh, incessamment sous peu. Et euh, alors, c'est en anglais, ça s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et en fait, c'est l'art, euh, l'incroyable art de, de n'en avoir rien à foutre, tout simplement. Et justement, c'est pour les personnes comme ça qui. C'est pour les personnes qui, qui qui justement en ont trop à foutre de, de tout, tu vois, et de ce que disent les gens. Et c'est incroyable quand ils pensent à quel point l'impact à quel, quel, à quel point à quel point l'impact de ce que les autres pensent est fort sur nous, tu vois. C'est un truc de ouf au final parce que quand tu regardes vraiment, quand tu regardes tes vrais projets et que tu scrutes intérieurement tes vraies peurs et que tu arrives à passer en dessous du niveau de de, de ces justifications que tu n'as pas les compétences ou que tu n'as pas ci, que tu n'as pas ça, si tu arrives à plonger encore plus profond en toi, tu vois que c'est juste une question de. Tu peur de deux fois décevoir les gens, tu as peur de décevoir les gens par rapport à ce qu'ils pensaient de toi, et tu as, as peur de décevoir les, les, les proches qui, qui croyaient en toi, ou tu as peur de ne pas faire assez bien, tu as peur de ne pas être la bonne personne et tout. À chaque fois, c'est ça, tu vois. Et du coup, ma technique que j'ai utilisée pour ce projet-là, que j'ai juste fini à l'instant aujourd'hui, c'est la technique du rien à foutre, qui consiste tout simplement à comprendre ce que veut dire ce rien à foutre. C'est pas un rien à foutre en mode j'en ai rien à foutre de tout, tu vois, euh, je m'en tape. Euh, c'est pas un rien à foutre basique. C'est vraiment à rien à foutre il n'est pas du tout adressé aux autres personnes, il est adressé à ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu as un problème, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est que tu te mets devant, tu te mets face à ton projet, tu peux très bien l'écrire, tu prends un cahier, tu vois, et tu t'écris un projet que tu as, as remis remis à plus tard sans arrêt, parce que, parce, parce que tout simplement, tu, ça te décourageait, ou parce que tu avais l'impression de ne pas être la bonne personne, ou de pas avoir suffisamment de compétences et tout. Et, et tu le regardes, ce projet, tu vois, et tu te dis... Euh, et tu dis OK, tu le coches, tu vois, et tu dis maintenant je vais le faire ce projet. Maintenant je vais le faire et, tu... et observe la réaction de ton cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dire je vais le faire, euh, déjà quand tu vas le dire, ton cerveau va le croire à moitié. C'est-à-dire que tu en as une qui voudra bien le croire, qui se dira que ouais, tu vas réussir. Et tu auras l'autre, bizarrement, qui va commencer à, à, à mouliner et à créer, à lancer la machine de toutes les excuses que ton cerveau va te fournir, tu vois. Et c'est justement là que ce rien à foutre-là, je sais pas si tu vois. C'est justement là que ce rien à foutre, tu vois, moi je me le suis accroché juste là, tellement c'est important et tellement ça a aidé. C'est là que s'écrire ce rien à foutre comme ça, tu vois, moi je me le suis mis juste là devant mon bureau. C'est-à-dire que là il y a mon ordi et dès que je travaillais et que j'avais une pensée, ici il y a mon planning et là boum, rien à foutre, tu vois. Justement, c'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire que tu te l'écris et dès que, dès que tu as ces pensées-là qui te disent que tu n'es pas la bonne personne, enfin toutes ces pensées qu'on connaît. Tu regardes ce, tu tu regardes ce bout de papier et tu te dis j'en ai rien à battre, j'en ai rien à battre, je, je teste quand même, j'y vais quand même, tu vois. Et et moi c'est, enfin c'est vraiment idiot, c'est c'est quoi, c'est une feuille à quatre que tu plies en deux et tu marques trois mots, tu vois, tu marques une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize treize lettres avec un point d'exclamation, mais ça change une vie et moi ça m'a changé, ça m'a changé mon quotidien là, je t'assure, c'était un projet que j'avais mis de de côté depuis un an ou deux. Et que enfin j'ai fait, tu vois, enfin j'ai réalisé et donc enfin je vais pouvoir parler et je, et je suis fier de moi, tu vois. Je m'en tape si ça marche, si ça marche pas. Le plus important c'est que je l'ai fait et que je sais que j'en suis capable. Donc fais-toi ce, fais-toi ce A4 là, tu, tu te le plies en deux, tu te prends une feuille A4, tu la plies en deux, rien à foutre et tu la mets sur ton bureau et tu te lances dans tes projets. Tu vas voir. L'impact de ce bout de papier, c'est un truc de malade. Bref, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. En ce qui concerne le projet, tu auras sans doute l'occasion d'en entendre parler très très récemment dans, dans pas longtemps. Et d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, réalise tous tes objectifs. N'en ai rien à foutre. Ciao.